Ok. Ça, c'est ton tombe maintenant, route là. Misère, nous passer. Haïti, c'était moi-même en pile, même. Kidnapper, nous fait 30 jours. Ok. Non, mais on grand monde. Mais on grand monde, depuis 7 février, il fait combien? Un mois? Il y a un mois plus jouer. Moi, 15 jours? Non, deux, mais qu'a fait, c'est qu'a fait moi. Deux, mais a fait un mois? Jeudi à 6. Ok, on grand monde 80 ans, mène. Depuis 7 février. Jeudi à 6, demain, qu'a fait moi. Personne ne peut pas pour expliquer dans quelles conditions les policiers ont subi gros matis. En bas, mais équipe bandit canarin, ils ont décidé d'arrêter de faire sur un char à tous les policiers en dedans. Et ils ont fait remarquer que le char est tombé en panne. Ça n'a pas lagué, gros qui est cassé. Un des policiers qui était dans le char, et puis ils ont sorti victime selon l'information qui t'a vu dans la dernière nouvelle. Bonjour, bonsoir tout le monde, m'a fait plaisir pour m'informer de matin. Même si situation compliquée dans le pays PAN, nous connaissons qui s'allie déjà. Réseau information, c'est le moment pour mal présenter un pile point qui pourrait faire essentiel la nouvelle. De l'osaï pété dans Port-au-Prince, la police mettait en bas code des gros bandits d'après agent force audio qui a planifié kidnapping. Me fait connaître deux messieurs Sayo, fait partie équipe base 5 secondes. Pourquoi il est là? Iso, un gros problème. Bras droit, Léo, maré concrabe. Après, répondre. Question de CPJ sous sa yo connaît dans affaire kidnapping ak vol Miami en dans pays. Puis gagné ancien colonel Himmler Rebu qui longe douette sous les États-Unis ak Canada. Li accusé yo ba yo toutes sortes par rapport ak mission ta doit venir dans pays ya. Cependant colonel la répété très fort par rapport ak sa ta passé dans pays ya. États-Unis ak Canada pa gen nul doit venir fouer pied ici. Pourtant c'est eux même qui continuer vos examen dans pays ya. Parce que Haïti n'a pas rien pour la fabrication d'armes à balles. Deux personnes ont perdu la vie en bas de balle dans le cadre de la bataille qui a été faite dans la zone déluge hier dimanche 12 mars 2023. D'après information, c'est un timon 17 l'année avec un autre garçon qui connaît son nom. Michel Volsi, qui t'a perdu la vie dans le cadre d'un conflit Tessa, qui gagne longtemps la paix fait victime dans la localité déluge qui chita dans la commune Montoui sur route nationale numéro 1. N'a bien plus de détails sur l'information ça dans le journal nous cap vini pita à collaborateur nous, Milsa Madius, et puis Yvto Altidor, qui eux-mêmes a suivi l'information ça de près pour nous. N'a bien plus de détails sous lui, pita. Gagné Eddy Derivière, qui c'est non policier si là, qui blessé en dedans yon blindé hier dimanche 12 mars 2023 dans zone Titan. Après blindé il était là dedans, t'es tombé en panne. Bandit dans zone là, qui t'es ouais ça, t'es profité attaqué yo. Côté yon parmi yon blessé à yon balle qui traversait blindé. Il était couru à clé dans l'hôpital Nicolas Armand qui n'a AKE, qui n'a pas eu moyen suffisant pour te baler tout soin que qu'elle nécessitait. Il était obligé de transférer lui dans un autre centre hospitalier dans la région. C'est le policier Hugo qui cantonnait dans le commissariat Kabaré AKE qui était venu comme backup pour te sauver la vie policière Sayo en dedans Blendea. Et puisque Bandio a fait tentative même pour mettre du feu dans le blindé ça. Il faut que nous signalions depuis le commencement de la semaine, tu as déjà gagné une tension dans la zone Titanien qui est la 9e section communale à Kaye Cabaret, côté bandit et attaqué prison civile Medamio. Agent Apenayo t'a repoussé. Et dans le même week-end, il y a un bandit qui a opéré dans Titan, qui était étranglé avec un coup de couteau. Il y a un chauffeur taxi qui s'est habité sous ce matelas. Après ça, il y a coupé tête avec manchette. Et puis, il y a lagué l'image là sur les réseaux sociaux. Tout le monde était capable de voir, monsieur cap touillé nègre avec un couteau. Et puis, cap coupé tête li. Il a été accusé chauffeur taxi là d'est-ce que l'État fait partie monde sous ce matelas qui a fait résistance à gang Titan qui gagne en tête yo un certain Bogi avec un autre qui est les belles boss. Et ces belles boss ça nous songe bandit qui était dans chaloup qui était prend du fer après les pour venir porter c'est comme mener l'hôpital c'est monsieur
ça qui a fait résistance dans la zone sous ce matelas, qui est empêché Badi Belbossio prendre contrôle commune à Kaye Kabaréa, gagner coordination et presse à relations publiques et la police là qui lui-même et relaté information ça lui-même tout. Donc c'est dans la zone titanien et événement ça a passé hier dimanche là côté Badi a attaqué un blindé qui pas de stat dans la zone titanien. Et bien, Badi vient prendre monsieur par coup surprise na, et vider la pli coup de balle sous Blendea, il y a une balle qui pèse Blendea et qui a blessé un policier qui relait Eddy Desrivières qui c'est un Udo qui était en dedans Blendea. Heureusement, il n'est pas mort, mais il était transporté à l'hôpital. L'hôpital côté il était allé n'a pas gagné possibilité pour te balayer soin. Il était obligé courir à clé dans un autre centre hospitalier. Gagné toujours ça qui a rapport avec question insécurité, gagné coordination presse avec relation publique, direction départementale police statique qui a annoncé la police Saint-Marc accompagnée à commissaire tribunal première instance juridiction Saint-Marc, la maître Vincent François, qui a arrêté Mario Joseph alias Pouchon, Jefferson Septus, Berveli et Imelda Servius, qui c'est deux saints, et puis il a arrêté tout ténor Seus. Il a arrêté dans la zone poterie, et dans la commune Yankou. D'après la police, la zone a dénoncé Mounsayo comme recelé qui t'a travaillé avec terroriste Savienyo. Non, et Bayo, information, mais en même temps tout, il a semblé, c'est des gens qui prennent l'argent dans mes parents, qui ont kidnappé et ils ont alcé dans la base là. Donc, il y a une parmi les la police arrêté, qui c'est Mario Joseph alias Pouchon. Eh bien, lui-même, il a gagné accusation sous dol, dès que l'État a participé, dans l'assassinat de 6 policiers qui étaient morts dans Moro. Et dans quoi mourir, 25 janvier passé, c'est ça, chef paquet, c'est maintenant, M. Vincent François fait qu'on est. Pour qu'on y a, si c'est devenu Sélaïo, il a fermé dans le commissariat 5. Individu Sélaïo a fermé dans le commissariat 5. En attendant, il paraît devant juge naturel. Faut que nous rappelions 12 mars qui sont passés là, donc ailleurs. Les rappeler, anniversaire la mort, 600 policiers qui étaient morts dans un blindé dans le village de Deux Dieux. Nous songeons, policiers ont terminé une opération dans le village de Deux Dieux, dans un blindé qui était tombé dans une ravine, ou bien Santa Cababrele, et trou, dans le village de Deux Dieux. Eh bien, M. Izoyo, il était pris, les policiers ont été tués jusqu'à présent. Il n'y a pas jamais de famille, pas jamais de jeunes Koyo pour enterrer. Même gens avec 6 policiers qui sont morts, les Koyo, Koyo, pas jamais récupérer Koyo pour famille, ta, rendu un hommage bien mérité. Hier, gagné M. Simoyo qui était organisé une messe, une cérémonie, côté de fond messe, dans mémoire, 6 policiers, ça côté jusqu'à présent, il a pu demander autorité dans le pays pour te permettre par un victime sa yo joindre koyo pour être capable de chanter en terre. N'a prêté toujours la question insécurité gagné et Imler Rebu, ancien colonel là, Imler Rebu qui c'est dirigeant Gré là, lui-même qui a participé dans une émission dans la capitale là, qui déclarait pays Canada avec États-Unis pas guerre, aucun intérêt pour ta vie une bataille pour déchouquer gang dans le pays. D'ailleurs, intérêt pour ta vie défendre, il y a déjà dans le pays. Au contraire, Haïtien, plus que ça,
Donc, il n'y a pas grand intérêt pour ta fin mettre la vie compatriote en danger dans le pays d'Haïti. D'ailleurs, type opération pour ta faire, de ta pral la cause trop moun nan nourri, et il te même prend comme exemple monsieur qui dans la Rio, c'est un série de chers à canon, vrai monde qui a financé gagné, qui a baillé l'argent, eh bien, et gouvernement ou bien autorité ou pas jamais vraiment nous j'ai d'autres et prend sanction contre eux. En écoute, yon bout de la déclaration, il est rébu. Les États-Unis, tellement puissants, tellement forts, que type de guerre pour le tafan haïti a pas fait parce que le bras loup pour lui politiquement, c'est les organes mixés politiques là avec militaires. La guerre se fait toujours pour elle. Quel intérêt j'ai à venir faire ça là? C'est intérêt, ça y a défendu comme intérêt en Haïti ou gagné déjà. Haïtien va y plus que ça y a rien gagné. Donc si on vit une opération en Haïti, ça va pas voter rien. En plus que va gagner déjà. Deuxièmement, celle qui a remporté, c'est des ennuis et des emmerdes. Par exemple, voici les général Lélé, nous t'es joué là, vous t'appelez des dieux pour la Cité des Soleils. Oui, oui. On dit ça, vous faire mon aile. Bon problème, Cité des Soleils, nous voulons résoudre, nous voulons raser Cité des Soleils. Oui, je peux. Mais nous, oui, pas d'opération de 7 ans là, pour me raser Cité des Soleils. On y a l'infini tué. 200 000 mounes, il faut dire qui est-ce qui va le payer le coût sur le plan humain, sur le plan politique. Est-ce que vous avez un ministre d'Aboua et Saint-Gabriel entre eux, comme général brésilien, et puis vous allez faire envoyer des forums devant le tribunal pénal international, vous êtes détruit Saint-Gabriel, c'est même une bonne carrière. Ça vous fait un bon aim, ça veut dire que les États-Unis, pas capables, seul jeu pour t'opérer. Pour t'a protéger tes prix, il n'y a pas qu'à opérer comme ça. Les opérations spéciales de t'a fait, oui. Mais il n'y a pas qu'il y ait intérêt à faire. Parce que risque, ou bien Biden, ou Biden, une fois pour attaquer là, et puis qu'il y a 40 millions, oui. Et puis les altri, ils n'ont pas mis 40 millions. Eux, c'est trois nègres seulement, qui des terroristes, ou bien des bandits vraiment. Les ça, c'est des mouns dans la population civile en ville. Et monsieur, il y a tellement de stratèges. Ou pas, ouais, nègres qui sortent dans la dans la rue. Ou pas, ouais, garder photo des guimouis, car comment. Mais il faut utiliser eux-mêmes comme chez Akano. Pour leur tuer, c'est eux, ça et eux tuer. Et sous ta regarde, vous avez proposé des timons 16, 17, 18 ans, ils sont sortis. Ils ont fait aussi des effets de bombe, ils n'ont pas posé des têtes vraiment. Ils sont comme des guerriers vraiment. Ces affaires, par exemple, même dans la guerre, par exemple, en Haïti, moi-même, quand la première fois m'habituer, on prend habitude de boire, c'est dans l'opération, dans l'apprentissage d'opération. Voilà, on a écouté la déclaration et il me rebu qui lui-même c'est un leader politique côté fait connaître que communauté internationale là, pays les États-Unis, Canada, on ne savait pas qu'il y a aucun intérêt pour ta venir mener opération dans le pays d'Haïti pour venir risquer la vie compatriote, puisque il n'y a pas aucun intérêt à venir défendre, intérêt pour ta venir défendre là, il y a gain déjà dans le pays là et il y a plus que ça haïtien t'a supposé bayo. Mais c'est même ça le chaque monde qui sous groupe info d'app là. Tout policier qui était prison, tout policier qui était prison, bagala exagéré pour yo, monsieur Tichayo blessé, tout policier qui était prison, pas de policier là-dedans. C'est message n'a passé pour moi. Voilà, donc on a entendu ça et gain bonne nouvelle, gain mauvaise nouvelle, j'ai que nous suivre là. Bonne nouvelle là, c'est Jean Audio, c'est deuxième chef. Et yon nan gros membre gang, et pour pas dire allié Izoyo, nous qui a arrêté là, ça c'est quand même bien. Mais là, pour qu'on y a là, et policier sa yo en difficulté, et nous apprenons j'en nous dire qu'il y a un policier qui également qui est blessé. Mais pour qu'on y a nous pas qu'à dire plus, est-ce que policier sa yo, et si t'as gagné mourir ou pas, mais simplement n'a pas regardé des vidéos là, mesdames, messieurs, c'est quand même très très sérieux. Salomon, et allez avec info ça pour nous comprendre bien, étant donné nous gagnons l'argent devant nous. Pour nous comprendre bien ce qui a passé. Eh bien, nous avons dit, Jimmy, juste avant nous te rentrer, dans ce studio-là, Léonel, tu as toujours un pile coup de balle qui t'a tiré. Bandio t'a attaqué une prison civile cabaret et gardien en fuite. Avec balance toujours mon gros mais pendant la parler là. Situation vraiment difficile. Eh bien, nous avons dit, yon blende PNH qui était en route Canaran. Mais bandits ont attaqué en pile coup de balle tiré. Mais dimanche qui était 12 mars là, nous soyez bien, 12 mars, qui était en groupe armé. Monsieur, qui était 5 policiers qui étaient morts dans le village de Dieu.
mais je dis c'est bon pied monsieur qui sauve qui fait pas passer même bagaille avec ce qui est passé dans village de Dieu. Nous capable dire gain Eddie de Rivière qui blessé pendant l'île dans Chablendea pendant un double de PNH, il y a un balle qui percé Blendea qui arrivait à atteindre Eddie de Rivière. Nous allons parler Léonel, sur une situation qui est vraiment chaotique pour en parler là. Ils ont même parlé de question et prison civile cabaret, gardien, et bien ils prennent les pieds là. Bandits armés, ils ont attaqué prison civile cabaret dimanche 12 mars 2023. Dans la soirée, sous pour en parler là, concordante qui confirmait fuite pour policiers qui abandonnent les poissons dans la prison civile Cabaret suite à l'attaque bandit pour sauver Poyo selon et audio ça Dimitri Basibanoa et nous allons retourner audio encore. Par exemple, ils patrouillent la police dans le département de l'Ouest qui était en route pour renforcer l'équipe en prison. Ils ont même pris un accident et bandit ont même t'a ouvert fait sous dernier temps et même t'a blessé là-dedans. Si ça se complique, Dimitri, tu bien qu'on patrouille la police. Dernière information que nous avons, nous avons patrouillé la police dans le département de la Sabana de DDO qui était en route pour renforcer l'équipe en prison. Nous avons appris que nous avons un accident et des bandits même qui ont ouvert le feu sous le dernier arrêt sur patrouille la police. Elle dit chaque 12 mars, nous comprenons après deux ans, nous sommes capables de dire que ces mêmes gens avec fête indépendance au pays, chaque fois que nous avons fait des centenaires, bicentenaires, nous avons toujours des mouvements qui sont capables de pays, mais nous sommes 12 mars. Après deux ans, au lieu que nous sommes capables de penser comment nous sommes capables de faire des pays, nous sommes ces bons pieds. La police est bon bon Dieu, mais bon Guinéen qui cause des policiers, je dis, ils n'ont pas quitté pour le Canaran. Et mais je dis, nous sommes capables de dire, agent Hidmo, n'a attaqué pour des soutiens avec eux. Mais pendant la période, la situation est vraiment difficile au niveau des cabarets Léonel. Et évidemment, nous sommes capables de dire, si en réalité, bandit face à la police, on prend un dernier jour, ça y est, qui était gourmet dans la bouche de la population. Pendant un temps court, nous avons pris comme exemple, 25 janvier 2023, tout passé là, au niveau justement, département de la Tibonita. Mais nous sommes capables de dire, depuis bien des temps, nous avons policiers face à bandit, commencé justement à mettre mon confiance. Les policiers face à bandit, commencé justement, bonne intervention qui fait bon côté policier et souvent policier sorti gagnant. Donc à songer dernièrement au niveau Pétionville, monsieur Tim a été attaqué quelque non pas comme Chablendé et mais côté que monsieur policier qui occupe Chablendé a comme été sorti vainqueur. Et à songer dernièrement ça qui est passé au niveau Thomasin et ben commissaire Zabissey lui met tout pour la confiance ça qui fait que policier moral est monté. Et ben je dis là au niveau la Pito Titanien. Eh bien, nous avons dit, après la police fait une procédure d'arrestation du deuxième chef gang qui était placé dans la Paiso, eh bien, nous avons et M. Gango, nous tentons d'essayer de venger, eh bien, ça qui a résulté avec justement affrontement côté que policiers, même quand même si il y a un qui est blessé dans le char, donc ça qui a privé, nous allons questionner et état chat Canada qui est qui peut-être pas de bonne qualité, mais cependant, quand même, plus de peur que de mal du mi, quand même, nous apprenons dans le cadre des formations de jeunes. Nous allons confirmer ta gagne victime beaucoup de policiers qui t'a mouru. Mais la réalité qui maintient au niveau de la route nationale numéro 1, c'est que au niveau de la prison civile de cadavres citoyens, eh bien, il y a une tentative qui a fait côté que force de déjà obligé à abandonner parce que il n'y a pas qu'un bé avec pression bandit. Eh bien, nous avons dit, puissance de feu qui n'est pas proportionnelle, eh bien, policiers, par mesure de prudence, sont obligés de reculer, sont obligés de replier pour éviter plus de victimes dans ces. Donc, à un moment, nous avons dit, il y a un SOS qui est lancé également, donc des prisons civiles, prisons formes cabaret, qui est même actuellement là, ça censé en bas et menace bandio. Est-ce que nous avons dit que prison est déjà crasé? Est-ce que bandio est déjà masqué? Et prisonniers, ils même yo, et non, oui, nous ne pouvons pas confirmer, mais cependant, SOS est lancé pour que la police nationale soit capable d'essayer à prendre contrôle de la situation au niveau national, numéro 1, au niveau et cabaret. Donc, nous avons dit, mais une raison qui fait que les policiers sont sortis sains et saufs, et c'est pas à cause d'intervention, unité départementale de l'envoyé de IDMO, qui ont même intervenu à bon portant, qui ont fait un aspect policier, même, qui sont censés évacuer.
avec puissance en par rapport avec puissance bandio qui t'a essayé progresser avancer sur mais on va dire groupe de gang ça faut qu'on dise qui était à l'école pas longtemps de cela au niveau et Lafito mais c'est ça qui s'est passé sous la main et qui était à placer dans la chef gang iso n'a pas rappelé dernièrement là on connaît maintenant on va aller nous recommande on va suivre comment yon yacht yon chaloupe te prend du fer dans sous la main mais c'est même si monsieur Sayo là et bien qui au même ça bicolo mais quand même faut qu'on dise même si gagné et même si gagné quand même qu'est sauté mais faut qu'on souligne tout c'est que la police est arrivée pour cette arrestation deuxième chef là actuellement qui a répondu une question la police et n'a pas aidé monsieur ça qui c'est et Gauthier Adler et ben c'est deuxième chef gang qui t'a opéré au niveau Lafito n'a pas pour monsieur Sao qui te commet en pile et exaction sous population en côté qui gagne en pile monde au niveau sous smart là qui déjà victime et nous capable dire quand même la situation au niveau de la route nationale numéro et au niveau Camaret Titanien pour Lafito en dit Lafito et ben situation licence dans mon appel là en ébullition par rapport avec assaut bandit encore une fois SOS pour les enfants non et pourquoi pas Salomon. Gen yon vingtaine compatriotes haïtiens kap viv nan pays États-Unis qui manifestaient hier dimanche 12 mars 2023 devant ambassade Canada nan Manhattan New York haïtien sa yo te al la dénoncer sa yo les hypocrisie pays Canada et États-Unis qui d'après eux-mêmes gen gros responsabilité nan situation la terre gang yo tabli nan pays d'Haïti. Protestataires yo dénoncé gouvernement américain. Yo di ki pa fè anyen pou empêche gros am fan fwa kontinye sorti nan peyi blan ameriken pou al touye ti malere yo nan peyi d'Haïti. Haïtien sa yo profite longe dwèt yo bien long sou gouvernement kanadyen. Yo di kap pase pep haïtien nan bêtiz. Yo tap fè referans ak avyon peyi Canada ki te al voli siel peyi d'Haïti. E pi bato kanadyen ki dapre yo menm ap peche poason nan dlo nan mer peyi a sou pretexte yo vin combat gang. Tout ça d'après haïtien qui t'a manifesté c'est vieille manœuvre tête en bas qu'a fait pour bail bandi yo ak sipote yo plus j'arrête pour continuer massacre ti peuple là nous vite au côté un bout na déclaration haïtien sa yo qui t'est campé ailleurs devant ambassade da Canada dans Manhattan dans New York pays États-Unis. Nous venons devant le consulat Canada dans Manhattan parce que nous sommes aux États-Unis, Nations Unies, OEA, nous gênons. Fois ça, qui donc remet Canada dossier Haïti. Ouais. Malheureusement, Canada n'est pas capable de faire dossier. Vous avez pensé de sanctions pays Canada prend. Canada n'a pas saisi un goût et villa. Et Ronny Célestère, famille n'y a vivre là-dedans toujours. C'est eux-mêmes qui mettaient du feu. C'est eux-mêmes qui ont terrorisé les peuples haïtiens. Zamio nous est dans le pays, c'est bon ici qui est sorti. Chaque année, Haïti, on fait 3-4 voyages, qu'on n'y a nous pas qu'à aller. Et nous n'y a mouru, pas qu'à aller à pas dire rien pour moi-même, parce que si pas de gens qui ont mouru, nous n'y a mouru tout partout. Gang, c'est gang américain. Parce que Haïti pas fait papa des armes. Comment on fait passer? Si c'est moi qui passe un petit revolver, madame, comment est-ce que Haïti fait armes? Haïti pas fait armes. Nous foutons bouquet avec Américains. Nous foutons bouquet avec Canada. Premier ministre canadien, la passe nous n'en bêtise, nous pas bêtise. Nous sommes premier peuple sur la terre qui prend indépendance nous. Nous pas capables encore. Nous prenons les hommes pour porter nous secours. Pour porter nous secours. Dans ça d'a passé en Haïti parce que pour nous t'en vie dans le pays. Nous pas capables. Pour nous venir avec bateau. C'est pour assurer la pêche dans le mer Haïti. C'est pas nous-mêmes qui avons été aide la vraiment vrai. Mais des solidarités avec les Haïtiens qui ont lutte extraordinaire depuis quelques temps. Tu vois? Et nous pensons que les pays internationaux comme le Canada, la France, les États-Unis, j'en ai réalisé, c'est plus déjà dans le pays, ce n'est pas le bienvenu de l'été. Comme en Haïti, il y a une situation qui est réellement. Et vu qu'on a déjà tout ça, c'est gagnant. Alors je dis à mon content venu, même si nous sommes petits groupes, nous pas en pire, mais l'important pour nous lever voir nous en solidarité avec les papa haïtiens qui n'ont situation que pas ouais.
clair du tout comment vous pouvez le sentir. C'est nous-mêmes notre diaspora qui est force, c'est nous-mêmes qui faisons lever voix nous, sans nous pas guérir et ne pas persécuter nous, c'est nos voix nous pour nous faire ça. Nous faisons ça devant le consulat et l'ambassade américaine, nous faisons ça devant l'ONU. Donc, son combat qui est long et nous parler pour nous mener un combat long. Thank you.